charité d'abriter en son sein un certain nombre de femmes ayant renoncé à leur vie antérieure, qu'on pourrait qualifier pour le moins agitée. Vous êtes ici au couvent de la rédemption, mon fils. C'est admirable, monseigneur, c'est admirable. Oui, c'est vrai. On sent ici la sérénité absolue, la dévotion, le dévouement et le respect. Ils commencent tous à me chauffer les cuisses avec le travail dans ma poire. Cardinal, cardinal, je t'en foutrai du cardinal. Que disiez-vous, monseigneur? Et le respect. J'ai eu la mère supérieure ce matin, elle ne fait aucun doute là-dessus. Nous devrions peut-être utiliser cette cloche. Oh, monseigneur! Oh, quelle joie de vous recevoir! Oh, monseigneur, votre ordination, vous siez Merci, comme vous le voyez, je suis ici incognito, mais tout le plaisir est pour moi, ma chère Stéphanie. C'est sœur Marie-Clémentine, monseigneur, ici. Oh, pardon, ma sœur, ma mère. C'est que je vous ai connue il y a longtemps, une époque où vous étiez femme de ménage au palais. Oui, oui, cela remonte assez longtemps, oui, oui, en effet. Où nous étions, proches l'un de l'autre, je me souviens très bien. Oui, oui, je vais rougir, Thierry. Je l'ose penser à ces moments passés, si proches l'un de l'autre, et je... Ah oh, pardon, laissez-moi vous présenter ce jeune homme très prometteur que l'Église m'a confié. Il est séminariste et représente à lui seul l'incarnation du renouveau de l'Église moderne. Monseigneur est flatteur. Quoique Monseigneur a raison, j'ai quelques idées réformatrices qui feront évoluer positivement l'institution et bousculeront tous ces vieux croutons rabattis derrière leur pupitre. Qu'est-ce que je vous disais, le renouveau? Ah oui, oui, bien sûr. Eh bien, dites donc, jeune homme, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein? Benoît, ma mère. Je me nomme Benoît Saez. Ah, Benoît Saez? Ben ça alors? Non, Saez. S-A. Accent grave, Z-E. Saez, Benoît. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, très bien. Alors, en d'autres circonstances, j'aurais aimé évoquer le passé avec vous, monseigneur. Mais comme vous le savez, c'est une toute autre urgence qui vous amène ici. Et... Tous ces vieux prélats découlent d'insuffisance, gras comme des cochons ayant fait leur deuil. Ah oui, oui. Un grand coup de pied dans leur séance, moi, je te mettrai au régime. Ah. Je t'ai fait courir le sport, il n'y a que ça de vrai. Ah. Le renouveau, quoi. Oui, oui, oui. Bon, monseigneur, je vais vous présenter les sœurs. Elles doivent être toutes impatientes de vous rencontrer. Stéphanie, ma mère, pardon. Je souhaiterais avant tout voir la victime. Comment se nomme-t-elle déjà? Oh, oui, oui, bien sûr, mais où avais-je la tête? C'est sœur Marie-Framboise, monseigneur. Nous l'avons mise dans la chambre froide. C'est par ici. Mais je vous préviens, ce n'est pas beau à voir. Donc, elle aurait été enfermée, il serait morte de froid. C'est pas tout à fait ça, non? Alors, que fait-elle dans la chambre froide? Eh ben, nous l'y avons transportée, tout simplement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pas ça! C'est pas croyable, ça alors! Qu'est-ce que je disais? Oh mon Dieu! C'est pas croyable! Un château Iken 2005, ça alors si je m'attendais, et en plus vous en avez trois, mais comment est-ce possible? Selon Sœur Marie-Paul, une promo alors Fantastique. Et la victime? Hein? Oh, pas très beau à voir, pauvre femme vraiment, mais quelle merveille. Puis-je me rendre compte? Oui, oui, bien sûr, tenez, allez, et surtout ne l'échappez pas, c'est précieux. Oh, oh, mais si, il m'a fait peur. Oh, le renouveau, quoi. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez vu trois bouteilles en plus. Mais non, c'est la sœur. Monseigneur, je vais vous présenter les sœurs. Hein? Non. Oh, monseigneur,
le cardinal Barbafoy qui nous honore de sa présence. Ah oui, oui, et ce jeune homme plein de fougue, Benoît XVI. Non, Benoît XVI. S-A-E, accent grave, Z-E. Ça est Benoît. Monseigneur, alors je vous présente dans l'ordre. Sœur Marie-Prune. Oh, Monseigneur. Oh, Monseigneur. C'est une joie, un honneur. Oh, votre réputation, Monseigneur, votre sœur. Merci, ma sœur. Je devine en vous une foi inébranlable. Oh, Monseigneur. C'est bien naturel. Chez nous, Monseigneur. Nous sommes bonnes sœurs, de mère en fille. Sœur Marie-Amico. Incontinence. Je veux certainement dire votre éminence ou votre excellence, je pense. Votre livre. Du foie dans les tripes. Mais quelle merveille. La foi me prend les tripes, ma sœur. Je suis toute confusionnée. Sœur Marie-Cerise. Monseigneur, votre présence va illuminer et illuminer cette triste journée, mais j'ai déjà quelques idées pour faire avancer votre enquête. Enfin, si vous le voulez, hein. C'est bon, sœur Marie-Cerise. Sœur Marie-Pomme. Oh, Monseigneur, quel bonheur. Quel bonheur, Monseigneur. Oh, et cette main si douce, si belle. Oh, et ses jambes. Oh, ses jambes si, si musclées. Oh, ses jambes. Oh. Salut, mon mignon. Alors, prêt à renoncer définitivement au péché de la chair, c'est bien sûr ça? Je suis toujours dans la réflexion. Dans la réflexion, quoi, enfin, dans la recherche. Sœur Marie-Pomme. Et enfin, Sœur Marie-Myrtille. Seigneur. Trempe avant tout, solide, fort comme un roc et sûr. Car à vous, jeune homme, alors, ne soyez pas aussi dur avec vos aînés. Un peu d'indulgence, que diable.